Et nous restons toujours à Niamey. Je le disais tantôt, cette rencontre des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'AES était la dernière ligne droite de la concrétisation des documents juridiques qui seront soumis à l'adoption des chefs d'État de l'Alliance pour la création de la Confédération, une confédération qui permettra de relever les défis sociaux, économiques, diplomatiques et sécuritaires de l'espace. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Niamey. L'Alliance des États du Sahel, instituée le 16 septembre 2023 par la charte du Liptako-Gourmand, s'apprête à amorcer une nouvelle phase lors de cette quatrième réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'AES. Si au départ l'Alliance était un mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle, l'organisation entend désormais changer de posture en allant vers une confédération. Et pour donner corps à cette forte recommandation qui découle de la vision partagée des trois chefs d'État de l'AES, les ministres des Affaires étrangères avaient déjà commencé à travailler sur les documents lors de la rencontre de Ouagadougou. Lors de la première réunion des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Alliance des États du Sahel à Bamako, les 30 novembre et 1er décembre 2023, nous avions convenu, sur instruction de nos trois chefs d'État, de la mise en place d'une confédération en vue d'une synergie d'action qui prenne en compte les aspirations profondes de nos trois peuples. Et c'est dans cette dynamique que les ministres de l'AES se sont réunis à Ouagadougou le 15 février 2024. Pour examiner les projets de texte. La réunion ministérielle de Ouagadougou le 15 février dernier a par la suite rempli ses objectifs en nous permettant de manière élargie d'examiner en première lecture les projets de texte matérialisant l'ambition de nos chefs d'État, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition chef de l'État du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, de répondre aux aspirations de nos populations pour une confédération réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ce regard rétrospectif permet d'apprécier le dynamisme et le pragmatisme de notre démarche, mais aussi la force de notre engagement commun. Depuis la signature de la charte du Liptako-Gourmand, le processus de renforcement des relations stratégiques entre les trois pays n'a cessé de se renforcer. De saisir le momentum positif créé par les avancées réalisées et les progrès enregistrés dans de nombreux domaines, à commencer par celui crucial de l'architecture de défense collective et d'assistance mutuelle, éloquemment illustré par la création de la force conjointe de l'Alliance des États du Sahel pour lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Je voudrais réaffirmer l'engagement indéfectible du Mali envers l'Alliance des États du Sahel, mais aussi la détermination totale de notre pays à œuvrer de concert avec nos frères et sœurs du Burkina Faso et du Niger pour un avenir meilleur. Nos présentes assises revêtent une importance capitale en ce sens que nous permettront de procéder à la validation des textes fondamentaux de notre futur cadre d'intégration économique, politique et sociale, à savoir le traité portant création de la Confédération AES et le règlement intérieur du Collège des chefs d'État. En outre, la réunion ministérielle de Niamey, pour la préparation de laquelle je salue le travail de qualité accompli par les hauts fonctionnaires, constitue la dernière ligne droite vers la tenue de la première session du Collège des chefs d'État. Ici, à Niamey, les ministres des Affaires étrangères de l'AES vont examiner et valider les textes qui seront ensuite soumis aux chefs d'État pour adoption en vue de l'institutionnalisation et de l'opérationnalisation de la Confédération Alliance des États du Sahel.